Maître Belmeïté Aboulaye, avocat de l'État du Côte d'Ivoire, a revêtu pour la circonstance la tenue de conférencier face aux membres du réseau des jeunes cadres du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix, invités à apporter des éclairages sur l'éligibilité du président Alassane Ouattara à la présidentielle 2020. L'avocat n'est pas passé par quatre chemins. Au cas où le président de la République actuelle, son Excellence Alassane Ouattara, décidait de se porter candidat à l'élection présidentielle sous réserve de ce que le Conseil constitutionnel aviserait, pour ma part, il est parfaitement éligible. Et de faire cette précision face à la polémique qui bat son plein actuellement sur les réseaux sociaux et dans les différents états-majors politiques. Il n'est pas éligible à un troisième mandat, cette erreur. Il est éligible à un mandat présidentiel, parce que la Côte d'Ivoire a recommencé. Il est éligible pour un premier mandat sous cette troisième république. Fort de ces arguments apportés par le conférencier, le RJC-RHDP sollicite la candidature du président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle 2020. Nous demandons solennellement au président de la République de faire un ultime sacrifice pour les Ivoiriens. Nous savons qu'il a beaucoup fait, mais nous ne sommes pas, à l'heure actuelle, en train de chercher une autre personnalité en dehors du président de la République. Une motion a été lue au thème de cette conférence pour conforter la position de ce mouvement qui s'est donné pour mission, entre autres, de consolider la paix et la cohésion, d'encourager la jeunesse au travail et à soutenir les efforts de modernisation de la Côte d'Ivoire.